bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu imprévue puisque je viens d'arriver à l'écurie. Il fait genre super beau, un temps magnifique et je me suis dit vas-y je vais partir en balade tout ça. Et j'ai croisé mon coach et je lui ai demandé en fait si un jour il pouvait monter Vlan parce que je trouve ça hyper intéressant en fait de voir un très bon cavalier monter son cheval et quelle solution il apporte à quel problème, comment il s'y prend, etc. etc. Et voilà, enfin pour m'aider en fait à progresser avec Vlan tout simplement. Du coup je lui ai demandé et en fait il va le monter genre tout de suite, enfin là il monte un autre cheval et il va le monter juste après, donc je suis trop contente. Petit Vlan ne sait pas à quoi s'attendre, il se rend pas du tout compte qu'il devait aller en balade normalement et que finalement il va travailler comme jamais. Mais du coup c'est trop bien, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et je vous en profite pour vous montrer comme Vlan est impatient au box. Voilà, Vlan c'est un grand impatient, c'est à dire que si on est devant son box, il est obligé de nous embêter tout le temps. Il essaie de lécher, il mordille aussi les vestes, voilà, c'est Vlan quoi. Donc là je vais commencer par faire le ponçage parce qu'il est absolument sale. Comme vous pouvez le voir, ces petites taches de terre. Regardez là, il a mordu ma veste. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, la peau, il mord jamais. Heureusement. Ah mon bibi chat. Donc voilà, on va le préparer. Et après je vous filme bien sûr la séance. S'il était un peu bloqué à gauche, à droite, la souplesse, l'engagement, le ressenti, enfin tout en fait. Du coup le compte rendu c'est que il est pas mal dans la bouche si j'ai bien compris. Il est pas assez stable, pas assez étoffé. Au niveau du travail au galop, ce qui nous pose le plus de problèmes. Donc moi quand je suis au galop sur 20 en fait, en gros je suis vachement mieux à gauche qu'à droite, vachement mieux assise et tout. Du coup je m'étais dit bah c'est qu'il galope mieux à gauche. Et en fait non, quand on réfléchit, au final c'est parce qu'en fait quand il a galopé à gauche, mon coach m'a dit donc le cheval bouge ses membres, il galope des postérieurs, des antérieurs, de la tête, etc. Mais en fait au niveau du dos il n'y a rien qui se passe. Il m'a dit qu'il n'utilisait pas du tout son dos en fait pour galoper, que ça allait se régler avec le travail, le muscle, l'engagement, etc. Et quand il a galopé à droite, il m'a dit qu'il bougeait un petit peu mieux à droite. Et que c'est pour ça en fait que j'étais moins bien dessus, parce que du coup ça secoue un peu, parce que le cheval utilise mieux son dos.
simplement. Je vous partage un petit peu le paysage avec, qui est juste magnifique. Là, on est en train de monter aux oliviers. Donc on va avoir un joli panorama. Voilà, il m'a aussi dit que j'avais un rapport main-jambe sûrement trop élevé. C'est-à-dire trop de mains ou pas assez de jambes. Dans mon cas, je pense que c'est surtout beaucoup pas assez de jambes, même si j'ai sur peut-être trop de mains, je sais pas. Et bon, bah, ce serait bien que j'en ai un petit peu plus pour qu'ils se tiennent et qu'ils s'engagent mieux. Mais du coup, voilà, c'était une petite séance pour faire un peu un check-up, sachant que demain on a cours de plat, donc ils voulaient pas non plus être trop fort pour pas que demain ils soient courbaturés. Tout en sachant qu'ils veulent monter régulièrement, c'est-à-dire normalement une fois par semaine. Donc voilà, ça va être super bien et je vous ferai pas une vidéo à chaque fois, sinon ça va faire trop. Mais je vous tiendrai au courant sur Instagram, donc n'hésitez pas. À nous suivre ici à Lorraine et Blanc et voilà, je suis super contente et comme ça je pense que le fait que le coach monte le cheval c'est hyper important pour qu'il puisse encore mieux nous conseiller. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire, donc voilà, en plus du fait que ça fait du bien au cheval et que nous ça nous donne vraiment des meilleurs conseils. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.